Avec David Abassi, écrivain et historien sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM et sur Internet, ici et maintenant.com. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Voilà, mes chers amis, ce soir, écoutez, asseyez-vous, s'il vous plaît, prenez votre café. Je vais vous donner une information historique assez importante. Assez importante. Puisque j'ai reçu plusieurs personnes de nos amis qui écoutent la radio ici maintenant, dimanche dernier, selon du livre Paris 5e, que j'étais présent. Parmi les personnes que j'ai reçues, il y avait deux femmes. Ils étaient venus, comme ils m'ont dit, pour voir la tête de David Abassi. mettre une image à son nom. Alors, ils étaient là, il y en a une qui était berbère, l'autre était pas berbère, musulman. Alors, de toute façon, en parlant ensemble, ça se voyait que ces deux personnes n'étaient pas 100% d'accord avec David Abassi. Mais parmi ceux qu'on était en train de dire, même puisque ce n'était pas l'endroit pour discuter, mais puisque je voulais être aimable, parler avec ces gens-là qui étaient présents là, que peut-être ils sont en train de nous écouter ce soir même. Actuellement, il y en a une personne qui elle m'a dit, ah bon, mais écoutez, Mohamed, le prophète de l'islam, il savait pas écrire, il ne savait pas ni lire ni écrire. Et moi, j'étais étonné. Moi, j'étais étonné que dans le 21e siècle, malgré toutes les informations qui peuvent exister sur l'internet à droite et à gauche qu'on peut se renseigner, et comment ça se fait qu'une femme qui habite en France, qui n'est pas fanatique, et elle peut penser comme ça, que le prophète de l'islam, Monsieur Mahomet, ne savait ni lire ni écrire. C'est vrai que c'est un mensonge qui existe dans l'histoire de l'islam, que dans les pays musulmans, que les gens à l'époque n'avaient pas l'accès à l'information, ils prétendaient comme si, comme ça, voilà, que Mahomet ne savait pas ni lire ni écrire. Mais seulement si on est un peu intelligent dans la vie, seulement si on est un peu intelligent dans la vie, et seulement si vous êtes un bon musulman, que c'est le mois de Ramadan, hein, si vous êtes un bon Ramadan, musulman, que vous avez lu une fois au moins le Coran, de la première page jusqu'à la dernière page, lire pour comprendre, pas lire pour lire, aller au paradis, non. Lisez-le pour comprendre. Si vous aurez lu le Coran, même une fois, vous devez savoir que cet mensonge qu'on dit depuis la mort de Mahomet, qui ne savait pas ni lire ni écrire, c'est un mensonge. C'est un mensonge. En plus, David Abassi, en 1980, un de mes livres que j'ai, à l'époque, j'ai écrit, le titre c'était Les secrets de l'islam. Les secrets de l'islam. Alors, dans ce livre, Les secrets de l'islam, qui dans les années 80, il a fait beaucoup de bruit, j'en parle. Et je ramène des preuves. Je vous donne des preuves comme quoi Mahomet savait lire. Il savait écrire. En plus, il parlait en plusieurs langues. Il parlait en plusieurs langues. Tout ce qu'on vous a dit, il est clergé musulman, et que vous les avez cru, c'est des mensonges. Imaginez-vous que ce soir, vous allez découvrir cet mensonge, et David Abassi va vous éclairer encore plus. Et alors, c'est à vous d'aller chercher d'autres mensonges qu'on vous a dit sur l'islam et sur Mahomet et le prophète. Pourquoi on a dit ça?
Alors ça, c'est autre chose. Dans le Coran, on dit que Mahomet, il est Ummi. Rasoul Ummi, prophète Ummi. Om, ça veut dire maman. Maman. Ummatul Islamia, ça sort ici, c'est-à-dire le peuple musulman. Alors, Ummi, ils l'ont traduit comme ils voulaient, comme quoi ils ne savaient pas ni lire ni écrire, mais ce n'est pas le cas. Ummi, à l'époque, on disait le peuple, le tribu de Quraysh, par exemple, tribu de Mahomet, qui était un tribu qui n'était pas croyant comme les juifs, comme les chrétiens, comme les zoroastriens, qui ne croyaient pas à un seul Dieu et qui n'avait pas la Bible. Quraysh, le tribu de Mahomet, était des gens de désert. Et les gens qui avaient le livre, comme les juifs, qui avaient le Torah, chrétiens, ils avaient évangélique, zoroastriens, ils avaient Avesta. Alors, ces gens-là, on disait qu'ils étaient Ahlul Kitab, c'est-à-dire les religions qu'ils avaient, le livre, et c'est accepté dans l'islam. Mais Mahomet, son tribu, n'avait pas de livre, il n'était pas croyant, monothéiste. Alors, on disait Ummi, Ummi. Mais Ummi, ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas ni lire ni écrire, puisque déjà, il était secrétaire de Madame Khadija. Il traversait l'Arabie de l'époque jusque n'importe où, la Syrie, l'Irak, il dépassait tout, même peut-être il est arrivé jusqu'à Rome, jusqu'à l'Iran à l'époque, on sait pas parce qu'on a dû en partir, on n'a pas dit de la totalité. Après on dit que quand il arrivait à Bosra il est en Syrie, il a parlé avec patron de l'église de là-bas, etc. Parce qu'il cherchait, quelque chose. Enfin, ça c'est autre chose que je ne veux pas le dire maintenant. On peut un truc. Alors, Mahomet, qu'il avait voyagé énormément, comment ça se fait qu'il ne parlait pas d'autres langues qu'arabes? Il parlait d'autres langues, en plus, et il savait lire, il savait écrire. Moi-même, quand j'avais 20 ans, je voyageais partout. Alors, dès que j'arrivais en Turquie, après un mois, j'ai appris la langue turque. Quand j'étais au Liban, tout de suite, après 2-3 mois, j'ai appris la langue arabe et j'étais allé à l'université. Alors, je suis venu en France, j'ai appris la langue française, et je parle anglais, etc., etc. On a appris plusieurs langues, pas de problème, hein, un gamin de 21 ans. Alors, Mahomet, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition, il est dans sa tête. Alors, il parlait plusieurs langues, il savait lire, il savait écrire. Ça, c'est des paroles que David il vous a données. Maintenant, restez bien à votre place, s'il vous plaît. Je vais vous donner des preuves coraniques. C'est-à-dire dans le Coran même. Dans le Coran même, il y a un des premiers versets qui a été prononcé par Mahomet. Parce que, oh, il dit c'est par le Dieu, Allah et tout ça, mais moi je suis rationnel, laïque. Moi je pense que le Coran c'est la parole de Mahomet et ses amis. Voilà. Alors, Mahomet, un des premiers versets que tous les Arabes le connaissent. Tous les Arabes ils connaissent cet verset et cette sourate, c'est sur Al-Aq. Et le verset premier, il dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Il dit lire, lire, au nom de ton Dieu, celui qui t'a créé, Iqra. Iqra, ça veut dire lire. Lisez, monsieur, s'il vous plaît. Et il t'a donné le texte, il dit que je te donnais le texte, lisez-le. Alors, soyez sûr et certain que plusieurs fois dans le Coran, il utilise le mot lire, Iqra. En plus, son interlocuteur, c'est le prophète lui-même. Parce qu'il y a, dans un autre verset, c'est le verset Surat Al-Asra. Al-Asra, le Surat, verset 14. Et il dit également Iqra,
كتابك اقرأ كتابك lire ton bouquin lire ton bouquin lisez votre livre s'il vous plaît اقرأ باسم ربك الذي خلق aussi je vous ai dit c'est le surat Alaq verset 1 après dans le même verset Al-Alaq surat Al-Alaq surat il y en a un autre verset il dit اقرأ وربك الأكرم lisez s'il vous plaît mais l'écra c'est singulier et il dit ton Dieu il est très généreux vous voyez c'est des versets de Coran c'est le verset de Coran mes chers amis et ce n'est pas des propos, des paroles de David ou de quelqu'un d'autre. C'est le verset de ton Coran. Après, vous avez d'autres choses également. Il dit وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ Il dit que lui, ça c'est dans le sourate Jum'a et verset 2. Il dit que lui, il a envoyé parmi les gens omis, c'est-à-dire parmi les gens qui n'avaient pas le livre, qui n'étaient pas monothéistes, il a envoyé un prophète. Pourquoi il l'a envoyé? Yatlou, alayhim, ayat. Pour qu'il lire encore de part de, il parle de lire les versets d'Allah. Dernière chose que je veux vous dire, mes chers amis, et après vous avez la parole, c'est les enfants de Mahomet. C'est les enfants de Mahomet. Monsieur Sadek, il est sixième descendant de Mahomet. Dans le premier siècle de la création de l'islam. On vient de le demander si Mahomet il savait lire ou écrire. Il dit oui, même il parlait ce mauvais, il dit, hein, monsieur Sadek. Il dit mais oui, il parlait 70 langues. Mais moi ici je vais vous dire 70 peut-être ces dialectes de chaque tribu et tout ça, plus les langues de l'époque. Mais quand même, si c'est exagéré pour 70, mais soyez sûr et certain que cette langue, il maîtrisait bien, il parlait bien et il écrivait. Après, il y a un autre descendant de Mahomet, 11e descendant de Mahomet, dans le 3e siècle après la création de l'islam. Il s'appelle Monsieur Hassan Askari. C'est un descendant de Fatima, la fille de Mahomet. Lui aussi, dès qu'il entend qu'on dit Mahomet n'y savait pas ni lire ni écrire, il va être fâché en disant non, il savait lire et il savait écrire. Ah, il était tellement fâché. Après, il dit non. Et lui aussi, il répète 70 langues. Mais moi, je crois que c'est 70 dialectes et plusieurs langues. Après, vous avez beaucoup d'historiens proches de la création de l'islam qui ont confirmé dans l'histoire comme quoi Mahomet il savait lire et écrire et il parlait plusieurs langues. Alors il y a M. Safar Qumi dans son livre Basar Darajat, c'est-à-dire les visions, des grades de vision en France et en arabe. Il a écrit son bouquin 290 ans après Mahomet, c'est-à-dire 3e siècle de l'islam. Et là, aussi, il cite beaucoup de propos de l'histoire. Au départ, je vous ai dit des versets de Coran. Ça, on ne peut pas le douter. Après, ces versets des historiens, et surtout M. Ibn Kassir, il le connaît, tout le monde le connaît, Ibn Kassir, c'est un grand historien. Lui aussi, il parle et il dit que Mahomet, il parlait.
plusieurs langues. Autre chose que dans mon livre que j'ai écrit il y a déjà 30 ans, 35 ans, Les secrets de l'islam. Quand j'ai écrit Les secrets de l'islam il y a déjà 35 ans, là-dedans, pour la première fois, David Abbasi, il est sorti plusieurs mots. Écoutez bien ça. Plusieurs mots non arabes qui existent dans le Coran. C'est-à-dire, il y a des mots hébreux, il y a des mots perses, il y a des mots éthiopiens, il y a des mots babyliens, il y a plusieurs mots non dans le Coran. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vous avez un verset, il dit, et Zacham se couvrat. Le jour ou le moment que le soleil va devenir aveugle. Aveugle, en arabe, ça veut dire a'ma. A'ma. Ça veut dire aveugle. Mais lui, il dit, et Zacham se couvrat. Il utilise le mot couvrat. Couvrat, c'est un mot persan. Cour. Cour. Celui qui ne voit pas. Cour, ce n'est pas un mot arabe. Je suis perse, je connais plusieurs langues, je connais la langue perse, pas de problème. Cour, c'est un mot persan. Ici, Mahomet, il est arabisé, le mot cour. Et il est utilisé dans son verset pour qu'il devienne joli. Il dit, Ezacham se couvrat. Après, vous avez des mots, abarik. Abarik, ça veut dire abris. Abris. Abris, ce qu'on met de l'eau, ou du vin, et après on se, comme théière. Vous préparez le thé dans une théière, après vous servez plusieurs personnes. En brise, c'est ça, mais vous pouvez mettre de l'eau, du vin, je ne sais pas quoi dedans. Bon, abarik existe dans le Coran. Abarik n'est pas un mot arabe, c'est un mot persan, en brise. Et encore, il y en a des mots hébreux et beaucoup d'autres mots. Par exemple, quand on dit Bismillah, Rahman, 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 Rahim. Rahman, c'est un mot hébreu. C'est Dieu, Rahman. Rahim. Rahma, tout ça, ils ont utilisé. Rahman, c'est le Dieu en hébreu. Rahim, c'est le Dieu en chrétien, pour le chrétien. Mohammed, juste au départ, il dit au nom de Allah, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et dès le départ, il voulait avoir toutes les religions monothéistes ensemble. Et le mot Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est de latin, vous avez des mots aussi, Noah. Voilà, ça c'est très important ce que ce soir je viens de vous dire. Je vous ai donné des preuves de Coran, de l'histoire, et ça je l'avais écrit depuis 35 ans, et j'étais tellement déçu quand j'ai vu une femme au salon de livres le dimanche qui vient me voir, et elle pensait toujours que Mohamed ne savait pas ni lire ni écrire. Comment ça se fait que quelqu'un qui ne sait pas ni lire ni écrire, il peut devenir un incompétent dans le monde, au moins, on va dire, que si au lieu de départ, moi je pense que même dès l'âge de 15 ans, 16 ans, il savait lire et écrire, et il connaissait plusieurs langues. Alors même, écoutez, plusieurs présidents, maires, les premiers ministres, une fois qu'ils sont en poste, ils commencent à apprendre une autre langue, pour pouvoir dire, communiquer avec les autres. Alors lui, qui va créer cette religion, l'islam, et le Coran, surtout qu'il est là-dedans, je précise, mes chers amis, dans le Coran, vous avez beaucoup de verbes, beaucoup de mots qui ne sont pas d'origine arabe. C'est d'origine de une dizaine d'autres pays qui est dedans. Et de temps en temps, c'est arabisé. Alors, cette mensonge qu'elle a gardé jusqu'à aujourd'hui, pourquoi? Sans aucun doute, vous allez demander à un chef d'une mosquée, il a dit, oh, David Abbasi, il ne connaît rien, patati patata, mais moi, je vous ai donné des éléments directs de Coran, vous ouvrez votre Coran, vous allez le trouver, pendant 14 siècles, on vous a menti, mes chers amis. Pendant 14 siècles, on vous a menti. Vous écoutez votre radio sur 95.2 FM Radio, ici et maintenant, vous avez la parole, mes chers amis, 08 92 23 95 20.
Depuis déjà plus de 35 ans, David Abbassi a interviewé plus d'une centaine de personnalités nationales et internationales. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site france-opinion.info. France-opinion.info.